t'arrives sur les lieux, toi, t'arrives 10 minutes après, c'est ça? Ouais. Donc là, j'ai vu les petits là qui étaient là, parce qu'il faut préciser que ce sont des jeunes. Ils ont 14, 15 ans. D'accord. Ça explique rien. On va pas commencer par dire ça. Mais bon, moi, je les ai vus, je leur ai demandé ce qui s'est passé parce que j'ai entendu des cris. Il y avait énormément de cris. C'est ce qu'on entend là, oui. J'ai vu la dame qui séparait, elle était en train de crier sur eux, donc je leur ai demandé ce qui s'est passé. Bien sûr. Ils m'ont simplement expliqué qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une agression homophobe. Ça, c'est la première chose sur laquelle je veux revenir. C'est ce que tu veux revenir. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une agression homophobe. C'est quelque chose qui a été mal, on va dire, mal transmis. C'est quelque chose sur. Je reviendrai dessus après. Mal appréhendé, tu vas nous raconter. Non, c'était très mal interprété. D'accord, oui. Mais concernant l'histoire, en fait, c'est. Les jeunes, ils étaient dehors, tout simplement. Les jeunes qui habitent là-bas. Les jeunes qu'on voit dans la vidéo, c'était dehors. Ils étaient combien, une dizaine? 7, 8. D'accord. Voilà, ouais, une dizaine. Et, le jeune qu'on voit se faire frapper est venu avec deux copines à lui. D'accord. Ils passaient. Ils se sont échangés des regards. D'accord. Et de là, en fait, le petit jeune, il a dit: qu'est-ce que vous avez à me regarder? Je suis votre star ou quoi? Ouais. On sait un peu comment ça se passe. Des jeux de regard, des histoires un peu bêtes. Là, il a dit ça, ils se sont un peu énervés. Il y a des mots qui ont été échangés, des mots plus durs. Dans le groupe, il y en a toujours un qui va un peu essayer de se démarquer, faire un peu celui qui a des gros bras, celui qui est énervé. C'est parti de là. Et malheureusement, tous les autres ont suivi. Après ça, c'est triste de voir ce genre de choses parce que ce sont des comportements, c'est vraiment pas normal. C'est inadmissible. C'est inadmissible, on est d'accord. Parce que bon, le petit, il est tout seul. Ils sont 10 en face, c'est n'importe quoi, on va pas se mentir. Mais dans tous les cas, même l'agression en elle-même, pour un simple... On a parlé d'agression homophobe alors que pas du tout, tu nous dis. En fait, tout ça, c'est parti d'un truc vraiment bête. Alors, raconte. C'est un petit, il a marqué sur Twitter, il avait mis une vidéo où quelqu'un, on ne sait pas c'est qui, puisqu'on voit pas le visage, avait un rapport homosexuel. Et il avait identifié un artiste, je sais plus lequel. Et en dessous, il a mis aucun rapport, mais ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on doit se faire taper par une bande de sauvages. Et il a mis la vidéo en dessous. D'accord. Sauf que la vidéo en dessous était là juste pour illustrer le fait de ne pas se faire taper uniquement parce qu'on est gay. D'accord. Ce n'était pas parce que le jeune en question était gay. Lui-même ne savait pas. D'accord, et ça a été repris partout, hein, agression, homophobe. Ouais. Ouais. Voilà. Alors que pas du tout, je sais qu'il ça a été entendu par la police, ce jeune aujourd'hui. Oui. Il a bien dit que ce n'était pas du tout une agression homophobe. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui est relaté. Alors que tu nous dis, donc, a priori, d'après toi, pas du tout. Quelle que soit l'agression, c'est sûr. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est bien de raconter la véritable histoire aussi. Mais il ne faut pas sortir les choses du contexte, quoi, parce que là, ça a été énormément sorti du contexte. De toute façon, l'agression, elle est inadmissible, quoi qu'il arrive. Non, je ne parle pas de l'agression en elle-même, je parle du fait qu'on dise. Déjà, il y a même des propos qui sont tenus qui ne sont pas normaux. Le fait de dire un homosexuel blanc s'est fait agresser par des jeunes noirs. Je trouve que ce sont des propos inadmissibles. Au moins, il était blanc. Mais on est sûr que ce garçon n'a pas, simplement, une fois devant la police, n'a pas... Non, pas du tout. A eu peur. Après, je ne peux pas vous dire, j'étais pas devant lui avec les policiers à ce moment-là. Mais de toute façon, je ne pense pas.